Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfang pour un nouvel épisode de Prison Architect. Vous avez pas raté grand chose, hein, je vais un petit peu avancer un petit peu, tiens encore quelqu'un. Et dis-moi qu'il est mort de faim. Mort de faim. Je ne sais pas pourquoi ici les prisonniers ne sont pas nourris. Il va falloir peut-être que je corrige ça. Non. C'est dans le régime. Dans le régime. Les basses sécurité mangent 3 fois par jour, ils ont 2 heures pour becter. C'est bien. Donc on leur met une heure de repas en plus ici. Vas-y. Asie. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ils se lèvent plus tôt, quoi. C'est tout. Mais moi, ça me dérange pas. On est en négatif, mais ce négatif est remonté un tout petit peu, parce que je suppose qu'on a commencé à vendre quelques bouts de bois. On est très très mal, hein. Va vraiment falloir abattre du bois comme jamais, hein. Et donc c'est beau ce qu'ils font. En fait, c'est un peu ça la question. Est-ce que j'ai quand même besoin de 100 mecs pour abattre ces arbres? Réponse, cette salle étant vide, oui. Oui, parce que visiblement, les ouvriers, c'est des objets, ils s'entreposent eux-mêmes dans l'entrepôt, quand ils ne font rien. C'est un style. Vraiment, c'est un style. Sur nos condamnés à mort, vous pouvez voir, il n'en reste plus qu'un. On en avait rentré deux, il n'en reste plus qu'un, parce qu'en fait, il vient d'avoir son truc dans la nuit, là. Il a reçu peu avant le temps que ça ferme, là, en fait. Je fais des zooms et des zooms n'importe comment, c'est formidable. Toujours animé en deux frames, c'est toujours formidable. Vous voyez pas la différence, c'est formidable. Du coup, c'est devenu un prisonnier haute sécu. Et il nous reste plus que... Non, c'est encore plus loin, c'est là. Ouais. Et il nous reste plus qu'un mec, là, qui est là, qui dort super bien. Les gardiens arrêtent pas de passer chez lui. Journée porte ouverte tout le temps. C'est formidable. Pour les objets, à mon avis, c'est à cause du bois, donc on va arrêter la fouille, hein, ça sert plus à rien de s'embêter avec ça. Clairement. Bon, bah, mes chaises électriques, elles ont pas encore servi, hein. Je suis triste, hein. Je suis triste, tout. Hein. Je suis salé, un peu. Arrêtez d'amener du bois dans les ateliers, par pitié, je vous jure. Arrêtez, quoi. Enfin, personne ne bosse à l'atelier. Qui est en train de s'énerver contre une porte? Qui est en train de bugger contre une porte? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de faire bugger les portes. Je n'aime pas ça. On sait pas. On sait pas, mais ça bug. Donc toi, t'es quoi? T'attends d'aller au trou? 82 heures d'isolement. Oh là là là. Amuse-toi bien. J'espère que tu te fends la poire, mon bonhomme. Hein. J'espère que tu t'éclates vraiment. Agression sur un gardien? Oh, je veux voir ça. On veut tous voir ça. On veut entendre le coup de fusil à pompe arriver dans 3, 2, 1. Pas de fusil à pompe? Attends, mec. Mec, il est où? Mec, il y a une émeute. Vite, viens ici. Les coups de feu. Attendez, j'ai monté le son juste pour ça, en plus. Les coups de feu. Mais tu es quelqu'un. Ah, c'est bon. Il est pas mort? Il y a pas de décès affiché ici? Oh, il est juste blessé. Oh là là. Les gens comme ça qui sont solides, impressionnants. Je suis vraiment très impressionné. C'est beau ce qu'ils font. Avec toujours mon terrain nu. Dommage qu'on puisse pas mettre un petit court de tennis. Je l'aurais mis là. Je pense que c'était bien. 33 basses sécurité et 5 moyennes. Très bien. Très bien, puisque finalement, les hautes, on en a pas besoin, on en rentre. Je veux dire, on a, hein. Risque élevé, voilà, on en a 33, c'est toujours plein, on s'ennuie pas, quoi. 168 comme ça, ah oui, on a dératisé dedans. Très haute, 55, quand même, on s'emmerde pas. Est-ce qu'on peut aller voir Matt Bailey? Salut, Matt. Deux décès, il y en a quand même quelques-uns qui sont morts. Ça va un peu mieux, c'est cool. You, Matt. C'est moi qui cliquais sur Matt. Il est où, Matt? Matt! Il est là, Matt. Ouais, il est là, Matt. Alors, la vie de Matt. Qu'est-ce qu'il est? Enfin, Ed Bailey.
38 ans, condamné à 61 ans pour crimes multiples, dont meurtre, torture et viol. Famille, donc il a une ex-femme de 36 ans, une fille de 8 ans, un fils de, 5, de 9 ans, 5 ans et 3 ans. Putain, une grande famille, hein. Alors, il a pris 25 ans pour un meurtre pour lequel il a plaidé coupable. Torture, 7 ans, il a plaidé coupable. Viol, putain, il a pris 9 ans, il a plaidé coupable. Torture et torture, 10 ans, quoi. Putain, le mec, en fait, il a torturé la moitié de sa famille, violé le reste et tué le superflu. C'est génial. Arrêtez avec les grilles. Arrêtez. Je m'en vais. Arrêtez, vous faites trop de bruit. On s'entend plus quand on... voilà, quand on rencontre des gens. Très connus, aucun... Mais arrêtez. Ah mais... Bon, on va aller voir les gens qui coupent du bois, ils font pas de bruit. Y a pas de porte chez eux, c'est bon. Y a pas de porte, regardez, c'est safe. Oh là là, l'exportation qui commence à être un peu pleine. C'est beau. C'est beau. Le fric... Mais arrêtez. Mais je veux plus entendre de tonk-tonk, y a plus de tonk-tonk à entendre, là. Ils sont chiants avec ça. Mauvaise conduite récente, aucune. Il se tient nickel. 22 heures dans ma prison, pas de soucis. Évaluation répression 10. Il s'est fait calmer à première vue, c'était bien. Réhabilitation 0, hein. Ouais, c'est mort. Hein. Sécurité maximale. Et la santé moyenne. Tout ce qu'il y a de plus classique, dirais-je. L'ambulance, bien sûr. Hein. On passe autant de camions d'ambulance le petit matin que de, que de camions poubelles. Finalement, y a-t-il, ceci dit, une différence réelle entre le camion poubelle et le camion et le camion-camion. Formidable. En fait, j'ai même pas assez de gains. Je suis en train de voir, là, il y a des arbres, j'en risque pas couper. Il y a trop de taf. C'est trop taf, c'est formidable. C'est formidable. On va faire défiler du camion, on va gagner du fric avec le camion. Arrêtez de faire du bruit. Bon, l'autre, il la passe là, sa salle de condamné là. Parce que c'est tout ce qui nous intéresse, nous. Hein. On veut voir ce mec se faire électriser. Électriser. Parce qu'il se fait électriser. C'est dommage d'ailleurs qu'on nous donne pas d'autres opportunités de. Comment dire. D'exécution. Genre une petite pendaison des familles, petite chambre à gaz. On pourrait s'éclater à faire des super trucs. L'administration. Oh bon, on a tout bouclé depuis longtemps. Mmh. Ouais, on stoppe toujours les quêtes des prisonniers. Et la dernière, c'est installer du monde, je crois. Subvention. Ah, c'est bloc HUD, c'est terrible. C'est terrible. 500 dollars, on n'y est pas. Hein. Va falloir que j'achète une nouvelle extension. Et pour acheter une nouvelle extension, j'aurais bien aimé déjà être rentable. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Et il voit personne, lui Genre. De toute façon, il n'y a pas de programme pour le. Pas de régime pour les condamnés à mort. Non, il n'y a pas. Ni à point. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il a rien à faire là, lui. Hein? Il est haute et les très hautes là. Très haute, c'est ici? Genre, il n'y a plus de place chez les très hautes sécurité, vraiment? Attends, il y a combien de place pour les. Capacité de cellule, des très hautes sécurité, 49. Ah, j'en ai 55, j'en ai trop en fait. J'ai trop de mecs. Ah, ils passent leur vie en cellule. Ah, c'est génial. C'est génial. Ouais, faites-moi une petite fouille de ce mec. Juste pour voir. Vraiment, ça me fait plaisir. Ça l'emmerde, donc ça me fait plaisir. Vraiment, c'est vraiment cadeau. Ah, il avait rien. Dommage, il se tient calme, sage et tout. C'est beau. Ah, petit couteau qui a été trouvé, évidemment. Oh là là, la quantité de bois. La quantité de bois. La quantité de bois. Réel. Réel.
La réelle quantité de bois, quoi. Extrême. Tellement extrême. Alors, allez, le camion, il pourrait attendre un peu quand même. Franchement, vous avez même pas le temps de vous faire charger. Putain, ah oui, les deux salles sont pleines. C'est d'une violence, mais rare, quoi. Rare comme on en a pas vu depuis longtemps. Depuis longtemps. J'ai pas fait de tour de chez moi, voir si entre deux, une petite photo était apparue. Vous savez, il y a le petit succès des photos, tu cliques dessus, t'es content. Tu cliques dessus et t'es pas content. Ouais, ça change rien en fait. Enfin, tu cliques dessus quoi. Ça a pas l'air. Ça a l'air relativement calme. J'ai eu des petites prisons qui avaient un style sur l'écran titre. Après, je sais pas si elles étaient efficaces pour autant, mais. Sur l'écran principal, ils nous passent des prisons. Ils sont pas des prisons du jeu. C'est des prisons à première vue d'autres joueurs. Ce que j'ai reconnu aussi mes prisons. On les reconnaissait d'ailleurs, on les reconnaissait très bien au nombre de morts qui habitaient les couloirs. Comme dans la base sécurité, hein. Dans la base sécurité, c'est... Voilà. Quand vous voyez ma prison sur votre menu principal, si... Voilà. Vous savez. Quelque part, vous le savez. Mais c'est bien, franchement, ils ont une super ambiance ici. On sent que les mecs, voilà, blessés, affamés, des morts partout. On sent que les mecs sont bien tout de suite, tu vois. Y a pas de... Y'a pas de problème, y'a vraiment aucun souci. Y'a vraiment pas de cuisinier ici, quoi, vraiment. Ah, pourtant, c'est bon, ils ont accès à la cuisine. Pourquoi ils bossent pas dans la cuisine, ces gros cons? Faut encore que je rajoute des chefs cuisiniers. Eh, j'en ai vraiment marre, hein, parce que là. Comment ça coûte un billet, les chefs cuisiniers, hein? Ça me coûte une fortune, c'est trop temps, j'espère. Quoi, qui va mourir de faim là. Harvey là, il est mort. Il lui restait plus grand chose à tirer. Hein. C'était bientôt un homme libre. Mais il sera mort avant. Il ne reverra jamais sa famille. Parce qu'il a Blackmail. Blackmail, je sais plus c'est quoi d'ailleurs. Je sais plus c'est quoi. C'est pas du piratage, parce que je crois qu'ils disent crack, les Américains. Oh, regardez-moi ces convois de cadavres. Franchement, si c'est pas sexy ça, hein, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Formidable. Ah, il faut plus de camions là. Plus de camions. Voilà. Si seulement un jour il faisait un autre jeu de celui-là ou un DLC, ce serait bien qu'il puisse nous permettre de faire des routes alternatives où on peut amener les camions, faire des places temporaires pour les camions pour dire genre là, je m'en fous, je veux toujours, moi vu là maintenant ce que je débite comme bois, je veux toujours 3 camions quoi. Qu'ils soient vides ou pleins, on s'en fout. Ah, il y a du tollard qui arrive. Dis bon tollard des familles. C'est formidable. C'est formidable. On vit vraiment des grands moments avec ce café putain froid. Petit café froid. Toujours meilleur que le thé chaud. Pas de problème. Toujours mieux. Oh les basses sécurité, mais comment je les brasse les basses sécurité, c'est terrible. C'est terrible. Voilà. Faites-moi du revenu. Faites-moi du revenu. Oh là 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 là, la quantité de wab. Ça c'est du bonbon wab. Hein. La quantité de people, c'est la folie, hein. C'est vraiment dingue, hein. Oh, les livres me coûtent du... Putain, les livres, ça coûte du fric. Deux qui vont être libérés, 60 demandes de conditionnels. On brasse pas assez de monde, hein. C'est pas encore ça, hein. Je suppose que dans mon bilan, les morts, ça pose problème. Si je fais une estimation... finance, je crois que c'est ici. 0,4 jours sans incident, ouais, c'est problématique. C'est problématique, hein. Y a pas assez de gens qui meurent, ou trop. À voir. Moi, je pense que pas assez, en fait. Du coup, j'ai pas un bon turnover. You see what I want to say? What
Putain, les mecs qui rentrent. Hein. Eh, te barre pas. Te barre pas avec ton pot de fleurs. Je crois qu'on a pas vu qu'il y avait du mauvais shit dans ton pot de fleurs. Oh là 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 là. On place du cadavre. Hein. On range du cadavre. Hein. Ça c'est beau. Hein. Ça c'est beau. C'est pas un effet placebo. C'est génial. Bon, Bailey. Ah, mais Bailey, il y est plus. Il a été libéré, salaud. Putain, ils l'ont libéré. Enfin, je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais il a pas été condamné. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je voulais qu'il soit condamné. Ça aurait été rigolo. Ça aurait été très rigolo. Pof, pof. Condamné à mort, ouais, bah il y en a zéro qui rentre. Bah oui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai construit ça pour rien. Si on va électriser personne aujourd'hui. Oh, c'est le drame. Je suis vraiment triste. Pourtant, celui à 30%, je le sentais bien. Hein. Je te dis, lui, il a quand même une bonne tête à se faire sauter, quoi. Tu dis vraiment on va le passer, ça va être bien. Ah, les petits bruits de fond horribles. Sérieusement, qu'est-ce qui bloque? Ouh. Ouh. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le problème? Bon. Alors, après, on peut faire un... faire un bilan un peu de ce qui nous arrive. On a une bonne prison, on va pas se mentir, on a déjà une belle prison, mais après elle a prouvé ses capacités maximales et je pense qu'on n'ira pas plus loin parce qu'on n'arrive pas à former de gens. Alors je peux construire le bloc de cellules E, hein, ça je peux le faire, ça je pense que c'est une quête qu'on peut encore se faire ensemble. Ça, réhabilitation pour l'éducation. Ah oui, il manque que ça, ouais. Ah si, et le programme général, ah ouais, non, mais jamais, jamais, jamais je vais y arriver cette quête. Hein. Et l'autre quête, c'est quoi? J'ai pris une subvention déjà pour quelque chose, c'est quoi? Réhabilitation et menuiserie. Ah bah menuiserie aussi, c'est bien mort. Produire 10 excellents lits. Ouais, c'est bien mort. C'est bien bien mort. Je vous expliquerai bien à quel point, mais je pense que c'est bien mort. Cet atelier, il a jamais servi de sa vie. Et ne servira jamais. Voilà. Il y a quoi? Il y a celui-là qui tourne un peu, je crois. L'autre là-haut, il fonctionne pas. Bon, on va se mettre... on va voir. Il y a qu'une seule... Il y a qu'une seule façon de le savoir. La bibliothèque, elle est blindax. Hein. Voilà, les gens, ils bossent à la bibliothèque. Si ça bosse un peu dans les cuisines... là-haut, ça bosse pas. Hein. Eux, il y a jamais personne qui bosse. Bon, je pense pas que ce soit leurs horaires, mais... ils bossent pas. Oh, c'est le drama, quoi. C'est le drama. Cette cuisine est en noir. Personnel seulement. Ah oui. Pas de soucis. Déploiement. Pourquoi tu me le précisais spécifiquement en noir? Pourquoi donc? Oui, alors ça c'est du haut de sécu. Hein. Voilà, hein. Tout ça normalement c'est du. C'est des caches chelous quand même des fois. Hein. Bref. Ah, ça bosse dans les bibliothèques. Personne dans les ah voilà, salle de nettoyage là, voilà, c'est plein. Tout le monde prend toutes les offres de nettoyage. Ah, atelier, il y a un mec dans l'atelier. Non, alors ça je veux le voir. Il y a un mec dans l'atelier, moi j'y crois à mort. Il est où le mec? En fait, il y a juste un mec qui est passé faire le ménage, ils m'ont dit ouais, il y a un mec à l'atelier. Il y a un mec dans l'atelier. Ah oui, il est là. Il est là. Regardez-moi ce beau gosse. Sauf que il fait des plaques.
visiblement, c'est chaud. Son éval, 21%, ouais. Je relâche les prisonniers sur une base de combien, là? Ils sortent pas quand même, quoi. Ouais, bah ça va être compliqué. Donc voilà, ce que moi j'avais à proposer, puisque visiblement on va électriser personne dans cet épisode. 25 bases sécurité. Les mecs qui tombent comme des mouches. Une évasion. Pardon. Ah, je préfère. Ah, il y en a un qui a quand même réussi à se barrer. Ah, j'aime pas très très beaucoup ça. Hein. Ah, j'aime pas très très beaucoup ça. Je vais être obligé de rajouter un tireur. Si vous le prenez comme ça. Moi, ça me dérange pas. Hein. C'est pas très cher un tireur. C'est le prix de l'amitié. Pas plus. Le prix de l'amitié, finalement, qu'est-ce que c'est? Voilà. Qu'on vienne me retirer ce tunnel pour voir où est-ce qu'il conduit. Il le laisse là. Le gros bâtard. Bon, il a rien sur lui. C'est bon, je vais me casser. Tranquillement. Flic. Flic posé, hein. Putain, il est crevé le flic ou quoi, hein. Il avance même plus. Hein. Il ne arque plus du tout. D'abord, ils vont se dépêcher de me le faire. Ok, très bien. Allez, grouillez-vous la moule un peu, là. Voilà. Juste sous le nez des gardes. Il n'y a aucun abus dans ce jeu. Non, continue à tirer à volonté, excusez-moi. Excusez-moi. Non. Je suis désolé. Je ne voulais point. Donc, clic gauche là-dessus, dépêchez-vous. Du coup, ça veut dire quoi? Dans le personnel qui nous manque, deux tireurs. C'est pas cher, deux tireurs. Faut en profiter. Toujours plus de tireurs. Voilà. C'est bien. Du coup, non, positif. Regardez-moi tout cet argent qui rentre. C'est incroyable. Incroyable. Faites voir finance. Dotation fédérale de 1000 balles, dotation pour les prisonniers 40 350, salaire des ouvriers, c'est même pas eux qui coûtent le plus cher, hein, c'est vraiment toujours les gardiens qui me payent, qui me coûtent un bras, mais bon, vu la quantité de gardiens. Et exportation 33 000 $. Nous allons monter une industrie du bois incroyable, croyez-moi bien. Voilà, donc ma on va y arriver à ma proposition. Est-ce qu'on refait une prison? Est-ce que quelque part, c'est pas le moment de vendre celle-ci, puisque nous n'arrivons pas à obtenir les formations que nous voulons, et genre, je vends ma prison. Vous ne pouvez ni vendre votre prison, ni changer de départ tant que les conditions suivantes ne sont pas remplies. Aucun décès récent, aucune évasion récente. D'accord. Pas de problème. Bon, voilà. Ça peut être une solution, ça nous ferait un gros billet pour démarrer au jour suivant. Ce qui serait somme toute pas mal, enfin, la nouvelle prison. Et on pourrait du coup tenter de réussir les objectifs que nous n'avons pas réussi. Peut-être même avec des nouveaux projets de prison, si vous en avez... Oula, 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 qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Moi je dis... Fou général? Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah là, il n'y a plus le choix, là. Là, ça veut faire les malins, ça veut faire les marrants... Je vais vous apprendre à faire du catamaran. LOL! Oui, excusez-moi, j'ai beaucoup d'humour. Je voulais pas vous perturber ainsi. Oh, la quantité de bois ramassée, ils ont pas fini là.
Ah putain le bordel. Il y en a encore ici aussi. Il y en a encore un peu par là. Au boulot les mecs. J'ai pas assez d'ouvriers. La blague. La blague. J'ai pas assez d'ouvriers quoi. Boule. Donc là, voilà. Gros amusement. Donc voilà, on est bloqué. Oula. Quoi? Vraiment? Vraiment, vraiment? Il y a vraiment un trou ici, quelque part là-dessous? Du moins, c'est ce que nous a dit Chantal. Parce que Chantal là-dessous. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir. Je trouve ça important de partager ces blagues. Ça me fait plaisir. On a encore 26 bases sécurité. Pff, oh là, on enchaîne, hein. On les enchaîne. Et ils ont pas de cellules. En fait, y a pas de cellules pour ranger des cons là. Genre les bases sécurité, ils ont pas de trous. On peut pas les mettre au trou. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ils peuvent pas aller au trou, les... Tiens, c'est rigolo. J'avais pas fait gaffe. Les basses sécurités ne peuvent pas aller au trou. C'est quand même grave le bon deal pour eux. Hein. C'est quand même super cool. Donc bon, voilà. L'idée est soumise. Nous, on va s'arrêter là, puisqu'il n'y a pas de condamné à cramer, à griller, ou quoi que ce soit. On se retrouvera dans un prochain épisode où on s'arrêtera là. Ce sera peut-être l'occasion de s'arrêter, vous me direz. Hein. Ce sera peut-être l'occasion de s'arrêter ici. Donc me dire si vous voulez que je continue ou pas sur cette prison. Ou si vous voulez qu'on redémarre une nouvelle prison avec un bon gros budget. Puisque là, on en a pour 1 500 000 thunes de redémarrage. On est quand même bien. 1 600 000 quand ça se passe bien, quoi. Ça fait plaisir. En fait, faudra la vendre au petit matin, le jour où on admet le plus de prisonniers. Juste entre, vous voyez, la période où je tue les gens, ils sont énervés le matin et on les tue, et la période où on admet des gens. Et là, vu qu'on aura pas mal de prisonniers à ce moment-là, on aura pas mal de sous-sous. En plus, attendez, on est basé sur la capacité de mission. Personnel, trésorerie, stock et matériaux, aménagement intérieur, briques et prend. Ah, on n'est même pas basé sur... mon nombre de prisonniers, mais sur ma capacité de prisonnier. C'est très rigolo, ça. Ça, c'est quand même assez cocasse, hein. Oh là, même les fouilles, ça prend une plombasse, maintenant. C'est incroyable. Bref, sur ce, je vous laisse. C'est Technofonction, comme d'habitude, gaming, pour Prison Architect. Et puis, j'attends vos retours. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. C'est bon des bois. Incroyable. Ciao.